Yo les gens, que tal, comment est-ce, comment allez-vous? Ça va? Bon, selon mon ami Ricky Peignon, Christian, ça se prononce, le couvre-feu aurait été suspendu aujourd'hui et demain le Parlement déciderait s'il continue ou pas, si ça continue les manifs ou pas, enfin bref. Moi, je me suis renseigné et j'ai rien trouvé là-dessus. Là, je vous dirais que hier et avant-hier, à cette heure-ci, c'est-à-dire 17h, il y avait du trafic en bas dans l'avenue. Mais là, je vous jure que... Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez, c'est vide en bas là-bas. Si vous voyez, c'est normal, c'est fluide. Mais ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire. C'est pour ça que je suis sorti 1h30 plus tôt. Parce que je peux pas. Pourquoi? Parce que hier, en fait, j'ai sorti dans les bus jusqu'à l'avenue Ejército, qui est loin d'ici, hein. C'est en passant le centre, etc. Et je vous jure qu'à 19h pile, style comme en Suisse, boum, tout fermé, les gens sortaient du mall. Hein. Comme on aurait dit une vague de gens, et ils ne laissaient pas rentrer. Ils ne laissaient pas rentrer. Les malls, c'est-à-dire les centres commerciaux. Hein. Donc, hier, je suis sorti quand même un poil plus tard, à 17h30. Là, il est 17h, je me dis, bon, je vais sortir un poil plus tôt parce que c'est chaud. Là, il est ouais, 16h51. Un jour de marché, etc. Je me suis dit, allez, hop. Allez, on se bouge le cul. Voilà quoi. Parce que franchement, c'est chiant. J'ai dû acheter dans des épiceries plus chères. Les boulangeries sont pas terribles. Oui, les pains dans les supermarchés sont meilleurs. Voilà, donc bien chiant quoi. Aujourd'hui à midi, il y a deux restaurants qui font partie de la même chaîne qui étaient fermés. À mon avis, parce que hier soir, ils n'ont pas respecté le couvre-feu et ils les ont amendés. Ils ont obligé de fermer, etc. Donc j'ai dû manger dans un restaurant, un poil moins cher, mais après je me suis acheté une banane. Je veux dire, c'était vraiment pas assez, quoi. Donc du coup, c'est là que j'ai compris que on est vite dépendant d'une chaîne de restaurants, quoi. Vous voyez, c'est une chaîne qui est dans tout à Arequipa. Mais ils font pas les mêmes prix partout, quoi. J'ai pas le temps d'aller voilà, jusque où ils sont pour vérifier, non. Donc voilà quoi. Trop loin, justement l'avenue est Ejército. Voilà. Ça veut dire armée. Il n'y a pas d'armée là-bas. Hein. Ils l'appellent comme ça, c'est le nom de la rue. La rue, l'avenue de l'armée, quoi. C'est le nom de cette avenue. Bon bref. Moi je vous laisse, là je vois que. Vous voyez, il n'y a pas. De trafic, donc il est possible qu'aujourd'hui il n'y ait pas, mais bon, moi j'y crois pas trop. Voilà, j'ai cherché une aide, j'ai rien trouvé, donc voilà quoi. Je n'y confie pas, mais on dit les rumeurs, non, voilà quoi. Donc je vais aller commencer. Je vous laisse aller, peace. Demain, je vous dirai si c'était le cas. À plus.